Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est à plus de 197 milliards de francs congolais que s'élève le projet des 10 budgétaires exercice 2021 pour la province de l'Ituri. Le vice-gouverneur a déposé ce mercredi cette proposition à l'Assemblée provinciale pour examen. La sécurité, le développement et les infrastructures sont parmi les priorités de ce budget. Suivez Chalo Doudou Martin au micro de Marquis Jean-Loïc. Nous avons approché le bureau de l'Assemblée provinciale pour déposer le projet de dit budgétaire pour l'exercice 2021. La loi, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale nous exige de déposer ce document au plus tard le 25 novembre. Et c'est à l'Assemblée provinciale d'organiser maintenant les travaux autour de l'examen et l'adoption de ce projet dédié budgétaire 2021. Et donc, en équilibre recettes-dépenses, c'est plus ou moins ça, 97 millions. Le projet de budget que nous venons de déposer, c'est la sécurité qui constitue la priorité, parce que sans la sécurité, on ne saura rien faire. Et à côté de la sécurité, la province devra maintenant accorder une place de priorité au développement. Les routes, la situation économique qu'on doit améliorer. Nous voudrions déjà demander à toute la population de l'Ituri pour se mobiliser. L'Assemblée sera là pour faire sa part de contrôle. Le gouvernement sera là pour exécuter. La population doit s'approprier également le budget quand il sera adopté, parce que c'est grâce aux contribuables que nous aurons justement ce que nous appelons le budget.